C'était ce week-end le tournoi du bassin à la patinoire de Gujan-Mestras. 110 patineurs se sont mesurés sur la glace et parmi eux, les futurs espoirs internationaux. Alors cette compétition est la deuxième compétition régionale de l'année qui prépare les patineurs, donc les patineurs artistiques et les danseurs à la prochaine étape qualificative des championnats de France. Et ça va leur permettre de voir où ils en sont au niveau technique et artistique pour les prochaines qualifications. Nous accueillons donc les solos artistiques, les solos danse et les couples danse. C'est une compétition open, donc tous les clubs français peuvent venir, donc ça reste une compétition régionale, mais il est ouvert. C'est pour ça que nous accueillons des clubs de Pays de Loire ainsi que des étrangers avec trois délégations espagnoles. Alors Gujan-Mestras, donc là nous sommes sur les petites catégories où ce sont les futurs espoirs internationaux, donc on se positionne plutôt bien, la compétition est encore en cours. Gujan-Mestras reste néanmoins le premier club français en termes de résultats, donc on espère que cette année ben, ça va continuer. Just kissed a girl.